Bonjour, c'est Exa, Ekobusa. Salut, c'est Ekobusa. Alors là, c'était encore le malaise, on savait pas qui faisait l'intro, bref. Donc du coup, on se retrouve pour cet épisode numéro 7 pour moi, et toi, c'est le numéro 11 10 Numéro point d'interrogation. Numéro point d'interrogation, donc voilà. KPZ nous a fait un petit peu envie avec ce qui va se passer après, on va bien voir. Alors, j'ai entendu des mots, genre Peter, machin, vous l'avez pas entendu. Vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Bon, déjà, il faut battre ces trois cons, là, de dresseurs. Allez, donc, j'ai fait soigner mes pokés, tout ça, de ça, donc on est bon. Putain, on va être contre un Pidgey. Alors, ça, ouais, donc on va attendre que tu sois, et moi, après, je vais m'expliquer à ce que j'ai vécu dans l'épisode précédent. C'est quelque chose de hardcore. Putain. Non, mais même les viewers, ils ont pas dû comprendre ce qui s'est passé, hein. Ah, j'attends de voir. J'ai compris Peter, enfin bref. À mon avis, on affronte Peter d'après ce qu'il a dit. Et apparemment, il y a 15 Love Game Man, mais apparemment, c'est un peu le feu, donc on va bien voir ça tout. Mais c'est pas le feu, c'est l'hécatombe, tu verras. Je vous aimais, mes petits Pokémon. Ils vont tous crever. Est-ce qu'on peut acheter des super potions maintenant? C'est pas du tout. Hop. Non, toujours pas. Alors? Au moins qui monte du coup. Oh Pidgeotto, mais non. Oh, il va me l'arracher, hein. Ah oui, t'es au dernier dresseur. Que je switch. Oh tiens, Ratata. Du coup, je vais aller au bateau. Alors. La Vendia, exactement. Oh putain, non, il y a des dresseurs, je crois. Je sais pas, ça s'appelle comme ça, il me semble. Je sais pas, en fait, j'aurais peut-être voulu XP mes Pokémon. Bah vas-y, ouais, limite. Ouais, mais faudrait par contre, voir qu'est-ce qu'il y a dans XP, le truc. En fait. Ouais, bah va directement à l'avant-dire, hein, sinon. Ouais, mais j'ai pas le niveau, en fait, c'est ça le problème. Ah. Bah ouais, bah le prochain épisode, faudra... De toute façon, moi aussi, je vais sûrement manquer de level. Donc on fera une session XP après, hors caméra. Ouais. Bon bah écoutez, on va essayer de trouver les Pokémon manquants dans cette carte. On sait toujours pas ce que c'est. Ah mais t'es là. D'accord, bon bah. Et c'est le dernier là du coup? On l'affronte pas vraiment le dernier en fait. Attends, t'en es où? Je suis au deuxième. T'en es au deuxième? Si tu vas voir l'autre, c'est compliqué à dire, tu vas voir. On va pas spoil. T'as le point 4. Aïe, pipi qui. Mal. On va pas spoil, mais c'est compliqué à comprendre. Donc essaye au minimum, moi j'ai pas lu, mais essaye au minimum de lire ce qu'il dit. Ouais. Ratatak. Il est gros ou pas Ratatak? C'est lui qui m'a fait le plus de dégâts dans l'équipe. Ok. Hop, Pokémon, on va en envoyer un autre du coup vu qu'il a crevé. Ouais. Oh là là là! Hop! Alors, il nous manque dans cette carte 4 Pokémon qu'on n'a pas encore vu. Ouais, c'est ça. Campbell Jeff. Ouh! Ah non, il m'a fait une. Ah oui, par contre, tu verras que lui, il fait beaucoup de critiques son Ratatak. Quel relou. Oh putain, mais j'y mets rien. Oh, on va oui, devoir le battre avec Gyarados encore. Bon bah, rip Jetto. Bon, bah du coup on a les soigné au poké, un peu pour un. Alors... Ils sont tous des airs crevés. À part des chotifleurs, je tombe sur quoi? De psychoquac. Super. Hyper fang. Attaque miss. Okay. Ouais, c'est son attaque qu'il faisait à chaque fois. Ah, les petits... ah, ça va quand même, j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup d'expérience pour chaque combat, donc ça va. Ça va monter vite. Ouais, hop. On va poser le téléphone. On va faire un petit. Oh! Ah, mais il est pas mort, Monkey! Il va prendre quoi? Assurance. Si tu attaques en dernier, le truc est doublé. Bon, allez, ça fera toujours une attaque. Ah, mais à place de quoi, Fury, ouais, machin là. C'est nul ça. Ok. Hop, et le dernier, du coup, on va essayer de le. Ah, mais non, il m'affronte pas lui. Je suis con.
là là, c'est parti pour la réaction de Exa. Hein? Mais t'étais pas obligé de le mettre? What? Tu sais où tu es? Mais Miskin, c'est... Oui, oui, c'est la prochaine ville, la prochaine arène. What the fuck? Attends. Pourquoi ils hippotrempent sur l'eau? What? Mais il y a des squelettes! T'as vu comme c'est l'hécatombe? Ah ouais, c'est la prochaine ville. Enfin, l'île. What? Ah d'accord, ça devient nu, ouais, ça c'est normal. Ah ouais, il y a Peter, d'accord. Ah d'accord, il y a les hippotrempes qui sont pas dans l'eau, des taureaux, très bien. Ah oui, on sait pas le level combien ils sont, d'accord. Non, mais les niveaux 90, je crois. Hyper bim. Bon, rip. Ok. Alors là, je suis tombé sur un Pokémon intéressant. Alors, il pourrait être utile. Et bah, les poteaux. On va le prendre. On va le prendre. Mais attends, mais mon gars, tu commences machin. Hyper bim. Ah, mais il se recharge même pas? Ah, si, d'accord, il faut quand même. Ah non, mais c'est impossible de le battre, ce bordel. Oh, nickel. Je lui fais un HP. Ouais, bon, c'est bon. Vas-y, allez, niquez-moi tous. C'est techniquement pas possible qu'on puisse le battre. T'imagines, tu le bats, t'es en plein milieu, là, t'es content. Ah, on est content, on est dans la ville toute niquée, voilà. What? Son Draco, mais il va rien dire. J'espère que c'est pas lui que tu vas battre à la ligue, hein. Oh là là, il y a rien. Ouais. Non mais tu vas voir, lis bien ce qui est marqué. Moi ça m'a choqué. On va attendre du coup ouais, encore que Exa finisse à 100% le truc. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Qui t'a vu? Pas vu, mais j'ai lu le message d'un mec et ça m'a choqué. Attends. Et de toute façon il reste plus que Léviator à crever. Ouais. Donc bon, c'est bon. Il va bientôt crever. Oh bon, je vais te le dire. On serait apparemment allé dans le passé. On aurait vu une vision du passé. Et dans le passé, c'est ce qui était marqué. Moi, j'ai vu le mec, il a parlé du passé. Ce serait le passé de cette ville. Ah, attendez, on va essayer de lire un peu qu'est-ce qu'il met. Du coup, il met. Ah ah, tu as vraiment cru que tu avais ta chance. Maintenant, donc Draco a décimé Exa. Hyper bim, d'accord. Décime. Mais t'as vu, il s'est fait un hyper bim et il te renvoie son Pokémon. Alors. D'accord, il s'en bat les couilles. D'accord, nickel. C'est quoi ça? De quoi? Ah, d'accord, et là c'est moi qui parle. Qu'est-ce que je fais là? J'en sais rien. La ville. Ah, d'accord, et là ça bouge tout seul. D'accord, parfait. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à rager à la fin de l'épisode parce que je voulais arrêter ma vidéo, mais tu vas voir, ça va arrêter. Ah, ça va pas arrêter en fait. Qu'elle a dit. Ah oui, un peu. Dieu de gain. Faut que tu reparles au mec. Ouais. Mais à quel mec? Au mec tout perdu là-haut là? Ouais, ah, oui, il tout seul, qui... d'accord. Ouais, celui qui est Pacific Way là. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils me disent quoi? Sorry, The Power Over. The Pokémon League Champions. Ok. Je sais pas tout comprendre ce qu'il dit. C'est une sorte d'avant-goût de la Ligue des. La Ligue, je pense, ce qu'il doit dire. La destruction de Vermilion City. Sin was. D'accord. Pokémon. Destruction, pardon? Je viens de voir que dans la ville là où on est, on peut capturer des carapuces. Hein? Tu peux capturer un carapuce, mec. Ah bah... Il est dans l'eau de la ville. Bon, en vrai, ça me saoule là, tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler du passé. On passe. Ah, il parle du passé ou on est allé dans le passé? J'en sais rien. Je sais pas, il m'a sorti un discours chelou. Mais attends, où est-ce que je suis plus intéressé par le bizarre? Enfin, le... Bah, en fait, le carapuce, il est dans la mer.
Moi, je le vois, tu sais, pour la recherche Pokémon, je sais pas toi. Mais moi, comme je l'ai déjà capturé, je peux voir que il est. On peut l'avoir dans cette ville. Sérieusement? Dans l'eau, ouais. C'est un peu what the fuck? Un peu. Attends, moi, il me faut ah des... oui, du coup, t'as vu mon nouveau Pokémon ou quoi? Non. Ouais, on se rejoint à. Tu es devant la. Là où il y a les lumières, là. Ouais. En soi, moi. Là, du coup. What, tout horrifique! Mais non! Eh oui. Ah ouais, peut-être bien. Du coup, je vais le faire évoluer en hypnomade, ça va être sympa. Ouais, en fait, j'avais besoin d'un hypnotiseur. Ouais. D'un mec comme ça. Ah, même un psy, hein, c'est bon. Ouais. Du coup, moi, pour la ligue, potentiellement, donc je pense que je garderai Colossinge. Florizarre, je le garderai. Roucarnage, je pense pas. Léviator, oui, je pense. Leoking aussi. Elineon, non. Donc, faudrait que je trouve un Pokémon sol assez puissant. En soi, Nidoking, quand il montera de level, faut vraiment que je fasse XP Nidoking. Il sera assez puissant, mais c'est vrai que Roucarnage, je pense pas le garder, il est pas ouf. Et on peut acheter des hyper potions du coup? Ou enfin autre chose? Donc des potions encore. Non. Eh oui. Ah ouais. Donc je sais pas, après toi, est-ce que tu peux. Je vais en acheter. Ah, il y a des Miaouss aussi, tiens. Ah, Miaouss? Ouais, bon, moi j'avoue que c'est un peu de la merde en fait. Enfin, ce que. Ouais, c'est pas assez intéressant. Mais après, je sais pas, est-ce que toi tu peux faire des coupures? Des coupures? Moi, peut-être je ferais là, comme c'est à 10 minutes de vidéo, 11 minutes, ouais. Je ferais coupure et j'XP les Pokémon comme ça au moins. Ah, tu veux XP maintenant? Tu veux pas contente d'aller voir un peu? Écoute, non, on va aller voir ce qu'on va faire. On verra bien, au pire, le prochain épisode, on commencera la viande d'acier. Ok, ok. T'es où? D'accord, alors je me suis fait arracher. Attends, je suis en train de me combattre contre un Miaouss. Du coup, il y a rien de super intéressant en haut. En haut? Ouais. Dans en la Pokémon ville d'avant, ouais. Ah. Non. Enfin, j'ai pas tout vu. Ok. Je vais aller poser l'Inéon, du coup. Il y a Kalidos. Je vais aller poser le coin de l'Inéon dans sa boîte, là. Moi, je vais finir ce que j'ai fait. Donc, voilà. Bon, du coup, il me reste une place Roucarnage. En vrai, pour l'instant, je le garde. Parce qu'il y a la reine plante après. Mais après, je sais pas. Je sais pas. Il m'a l'air pas. Enfin, il est pas assez fort en fait, ça qui me saoule. Ouais. Il faut vraiment faire une séance XP après, mec. Ah oui. Parce que là, ça commence à être dur. New King, il est que level 17. Ah, t'es là. Tu vas soigner un coup tes Poké? Je vais soigner Toporif. Okay. Oh, viens voir dans le centre Pokémon. Quoi? Gros toutou shiny. Où ça? Là. Tu l'as pas? Là où je suis. Ah ouais, mais moi il y a un mec devant. Ah merde. Ah oui, là. Ouais. Ouais, tu vois pas des sentiments si? Ouais, ouais. Bah, c'est un gros doudou shiny. Ah, mais dégage toi, putain. Et c'est son dresseur lui, non? Ouais. Il veut pas l'échanger par hasard? Non, il veut pas. Bon, hop, je me casse. J'aimerais bien limite. Non, Léviator, c'est vraiment bien comme typo. Surtout qu'il est level 24, donc. Merde, c'est plus bas. Ah. Hop, attends, on peut. Ouais, hein, il nous faut coupe. Hein. Ouais, non, mais c'est. Oui, il nous faut coupe, c'est sûr. Il nous faut coupe pour l'arène et c'est le capitaine, la chelou, là, qui nous donne. Ouais, exact. Et. Ah, mais on y va directement à la viande d'acier? Bah, il y a des mecs devant. Ah, mais ils nous affrontent pas, c'est quoi? Ça a pas l'air. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Et eux, là, ils veulent quoi? Ouais, attends, ils peuvent peut-être nous donner la. Oh, il y a le sergent Bob machin. Attends deux secondes. Attends, viens. Ah, le chef. Non, le tu sais, le troisième arène. Enfin, le troisième arène. Arif, c'est pas un pêcheur lui? Genre qui donne une canne à pêche? Bah, j'aimerais bien, mais j'ai regardé vite fait. Non, ça a pas l'air. Bon, tant pis. S'en fout. Attends, je vais parler à tous les pêcheurs. D'accord, il s'est barré, moi, Bob. T'as bien. Ah, c'est lui, ouais. Garde de sécurité. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu as déjà entendu parler de la Team Rocket? Qui m'a fait rentrer? Oh, la musique du bateau! Ta-da, ta-da. Ah, c'est la musique du bateau? Ah, merde, il faut parler à lui là. Allez, alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Faut check. Faut parler au mec là. Ah, d'accord, il me met dans une chambre. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu me veux, Chardal? Ouais, il veut justement que je parle à lui et Chardal, là. Tout le temps. Je
pas pourquoi. Le PC. Attends, j'ai rien compris ce qu'il veut. Bah, faut parler à... Ah oui, t'es là aussi. Ouais, faut regarder dans le PC. Register, Jackson. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'on affronte Jackson normalement par là. Aïe 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 aïe, ça va être chaud. Hein. Attends, on va redescendre. Please wait a moment. Il me laisse passer ce con. Attends, il y a une casquette ici. C'est bon, il fallait juste regarder deux PC. Alors. Fred, oh merde. Oh merde. Il m'a agressé instant le bordel. Moi aussi. What? 10 000 pocket dollars. J'espère qu'il ne les donne pas du tout. Voltom. Ouh là là. Il va falloir que je confus lui. Et Voltom, en vrai, ça serait bien comme dernier bokeh. Un type électrique, faudrait que je récupère un type électrique. Parce que oui, de base, pour ceux qui savent pas, en gros, plus tard après. Enfin, plus tard après, oui, allez. Donc, il donne un Evoli. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, moi, j'hésite à faire un Pierre-Louis ou un Voltali. Toi, je sais pas même si tu vas le garder. Je n'en sais rien. Oui, je sais pas. Et après, on a un Tignon ou un Kikli. Moi, je garderai Colossal, donc je le prendrai, mais il sera dans le PC. Et je pense que je prendrai un Tignon parce que voilà. Et après, plus tard, encore après, il donne un low class. Mais low class, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai Léviator. Ah, j'ai vu qu'un mec, il a eu low class Shiny alors. What the fuck. Mais il y en a, ils veulent rien dire. Ah oui, mais tu peux l'acheter, low class, je crois. Ah, ouais, tu peux l'acheter. Ouais, tu peux l'acheter. Oh là là, mais c'est là, c'est tendu, hein. Ah, mais tu l'avais tué, Voltorb. Ouais, mais je suis allé à coup de punch avec Monkey. Hein. Je vais lui faire du Ice Fang. Hein, ça, ça va, on a pas trop de. De level de retard. Oh, un tout doudou. Non, trop kawaii. On va l'arracher. Covette. Est-ce qu'on va une shot? Non, pas du tout. C'est quand même un peu. Putain, je gagne beaucoup de points d'expérience. Ouais. C'est quand même un peu un sac à PV ce bordel, mais bon. Enfin, même si c'est petite évolution de gros doudou. Ça donne combien d'XP? D'accord, ça m'a rien donné. Enfin, ah, et t'as parlé à Rudy et Carole? Non, ouais, j'ai parlé à Rudy, il m'a saoulé, je vois ce qu'il a dit. J'ai fait bon. D'accord. Leak. Aïe, c'est mal. Et t'es où maintenant? Ah, t'es là? J'ai continué. T'as parlé à Last Jenna? Ouais, ouais, il m'agresse sans aucune pression. Genre normal. Ça va permettre de XP un peu, on va faire ça. Ouais, mais en soi, je pense pas qu'on est vraiment trop en retard. Hein. On pourra faire le Lavandia autant aussi un peu la prochaine fois. Parce que là, je pense pas qu'on aura fini. On est encore loin. Il y a encore les 3 autres étages. Le pont à faire, le capitaine. Enfin, sûrement le rival. À mon avis, le prochain épisode, on aura peut-être fini à la fin du prochain épisode. Ouais, donc là, ils veulent un Steve. Qu'est-ce qu'il veut? Bulbizarre. Oh, nice! On peut affronter un Bulbizarre, mec! Eux, ils ont Bulbizarre, Carapuce et Salamèche, du coup. Oh! Et tu peux les affronter. Oh, bah, nice, je vais faire ça. On va faire ça pour finir à peu près. Enfin, pour finir ce fin d'épisode. En même temps, c'est bien, ça nous fait XP, ça nous fait voir un petit peu autre chose. Ouais, c'est un petit peu combat, un petit peu aventure. Donc voilà, bien. Voilà. Wow, les dégâts du Bulbizarre qui s'en bat les couilles. Il prend cher? Ah, je suis choqué. Il m'a mis un bélier. Tu vois que c'est pas mon air bizarre de mort. Hein. Putain, prends-en de la graine, air bizarre. Hein, parce que c'est un putain de Bulbizarre, il m'a mis trop cher. Quoi. Vas-y, attends, il faut que j'aille me soigner. Je crois que si on dort dans notre lit de base, on peut se régénérer. Oh, mais c'est pas possible, il m'a paralysé. Reptincelle. Alors, si on dort dans notre lit. Oh, mais c'est pas possible. Ah non, on peut pas régène. PC, nana. Ah non, on peut pas régène. Ah merde. Ah bon? Ah merde. Et est-ce qu'on peut sortir du bateau? Ah merde, t'as pris des potions? Non, on peut pas sortir du bateau. Si tu sors, en gros, c'est que t'es mort, quoi. Et est-ce que l'on peut se faire tuer spécialement pour ça? Attends. Il y a sûrement obligé qu'il y ait un lit qui se... Ouais, ouais, mais en attendant, j'ai pas trouvé, j'ai vraiment envie de continuer avec Monkey. Est-ce que c'est lui, là? Charmander. Non. Karate Chop. Non. Peut-être... Oh, les dégâts. Dragon Rage. Si. Oh, C'est quoi? La première salle où on est allé, le lit de droite. On peut... Ouais, tout le monde, ça marchait pas. Très bien. Peut-être mal vu, ça. Hein. Ah, c'est les trois Steve. Steven ou... Ouais. Attends, je vais mettre Pierre Bizarre avant.
Je vais essayer d'aller battre le petit carapuce, comme ça Herbiza ça fera gagner un petit peu d'XP potentiellement s'il arrive à le battre. Ah yes, il a Fury Swipe, qui est de type normal. Je sais pas ce que c'est. Ouais, une whip, ça va, ça lui fait quand même pas mal de dégâts. Ouais. Allez, Herbiza, tu peux peut-être battre un petit carapuce. Peut-être. Toi, il est un carabuff level combien? Power 18, ça a l'air nul. Bon. Il est level combien ton carabuff toi? Niveau 20, faut que je le fasse monter. Ok. Il est même pas monté de level. Ah ouais, mais il donne pas masse. Go, Charmel. Mec, s'il est bien avec Monkey, c'est que genre il lui faut pas beaucoup de level hein, pour monter. Hein. Ouais. Genre vraiment. Squeal. Waouh, il fait archif. Donc c'est dans la toute première salle le lead droit, t'as dit. Ouais. Ok. Ouais, du coup, je vais attendre que tu finisses ton combat, puis ben, on va s'arrêter là. Exactement. Hop. T'as son Dracora, j'ai fait mal. Hein. Ouais, t'as vu? C'est par rapport au nombre de vies. Ah oui, d'accord, donc ça me la régène, j'avais même pas vu. Très bien. Hop. Ouais, parce qu'il n'y a pas l'animation quand tu dors. Ok, bon, bah écoutez, bah merci à vous du coup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. T'as bientôt fini ton combat? Bientôt. Et donc du coup, ben voilà, un grand merci à vous encore une fois pour ces épisodes qui vous plaisent, donc c'est cool. Et bien justement, aujourd'hui, maintenant que j'en parle... Ah oui, non, c'est trop tard, fallait que j'en parle dans le dernier épisode pour le truc de l'arène. Pour le truc de l'arène. Ah. Et bah tant pis. Bref, en tout cas, bah par exemple, voilà, aujourd'hui, donc normalement ce sera jeudi. Ouais, jeudi. Et ben si vous n'avez pas vu, voilà, le truc de l'arène, comme je vous avais dit autrefois, ben, sur la chaîne de KBZ, c'est sorti il y a deux jours, donc... mardi, voilà. En fait, on va mélanger les gens à dire ça. Hein. Parce que les tiens, genre, ils vont voir cette vidéo, mais des milliards d'années après. C'est ça. Donc, ouais, ça va être un petit peu chaud. Bon, bah, du coup, ah, je suis là. Bon, ils sont bien. Mais je vais me soigner, oh. Bref, en tout cas, merci à vous, du coup, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce au vert et le petit abonnement qui fait plaisir. Voilà, ça nous aide. Et le commentaire pour. Et le commentaire. Pour... Et oui, pour. Attends, pour tu veux passer où? Et je suis là! Oh! En plein milieu! Sur les Z! Bref, ah ouais? Oh merde, les Z! Les Z maudits! Voilà, bref, merci à vous et on se retrouve très bientôt! C'était Xa et Kobosa, bye bye! Allez, bisous!